Bienvenue, mesdames et messieurs, pour ce nouveau numéro de la Web TV des Louvres, votre émission du jeudi qui regroupe l'actualité des Louvres, les matchs, les résultats ainsi que les meilleurs moments des rencontres. Avant de commencer cette émission, j'aimerais adresser à mon président Pierre Mercier ainsi qu'à tous les membres du comité, les joueuses et tous mes collègues de travail, que ce soit au service des sports de Saint-Dié ou au club, tous mes remerciements pour leur message de soutien suite à ma blessure, car ça m'a fait très plaisir et ça m'a énormément touché. Dans ce nouveau numéro, nous reviendrons bien évidemment sur le match des Louvres en déplacement à Saint-Laurent-du-Var le week-end dernier, et ainsi que les résultats des autres équipes du club. Nous vous présenterons aussi la joueuse mise en avant cette semaine avec la personne d'Azaria Stahl, joueuse américaine officiant au poste de pointu depuis le début de saison. Mais tout de suite, passons à notre première interview. Malgré le soutien des subventions, la cotisation des licenciés, la billetterie et bien évidemment l'engagement de nos bénévoles, le club ne pourrait réaliser un accueil et une animation des rencontres dignes de ce nom sans les partenaires, que ce soit des sponsors privés de longue date ou plus occasionnels. Cette semaine, notre équipe de tournage est allée voir M. Erkan Tuizuz, gérant de Mon Contrôle Technique, qui se verra être le parrain du match pour la rencontre de samedi prochain contre Monaco. Alors, je m'appelle Tuizuz Erkan, je suis gérant d'un centre de contrôle technique automobile. Mon contrôle technique, c'est un centre de contrôle technique automobile, VL, moins 3 tonnes 5. Ça fait un peu plus de 2 ans qu'on est installé sur le secteur de Saint-Dié. On a choisi ce secteur de Saint-Dié parce que surtout, je suis natif de Saint-Dié, on est tous nés ici, on habite ici. Il y a la Comcom, il y a la mairie de Saint-Dié qui nous font déjà confiance, il y a pas mal de concessions, beaucoup de marchands, et je tiens aussi à les remercier. Entre moi et le volet, c'est surtout le coach sportif du coup Oussama qui m'a permis de connaître l'équipe de volet de Saint-Dié. Et c'est grâce à Oussama d'ailleurs que je me suis intéressé à ça. Ça m'a marqué et j'ai vraiment voulu contribuer à aider, à encourager les Louvres de Saint-Dié à pouvoir monter comme il se doit. Donc ce match me permet d'avoir plus de visibilité pour mon contrôle technique. Et en plus de ça aussi, ça aide le club à pouvoir faire un show, une animation à Saint-Dié autour du match et puis surtout digne des plus grands clubs. Et avoir et permettre au club de Saint-Dié d'avoir une visibilité à l'échelle nationale. Oui, c'est ma première participation en tant que partenaire de match. Oui, ça pourra m'encourager à continuer ce sponsoring, quoi, en gros. Donc, on croit en vous, allez les Louvres. Voilà. On remercie Monsieur Tuizuz d'avoir accepté d'accueillir les équipes de PrestaTech pour réaliser ce reportage. Et maintenant, passons à la joueuse mise en avant cette semaine. Si vous suivez l'actualité et les matchs des Louvres, vous avez dû voir un nouveau visage cette saison. Une des deux nouvelles américaines qui a intégré le groupe des Louvres, je veux bien sûr parler d'Azaria Stahl, pointue américaine de l'équipe. Pour vous rafraîchir la mémoire, voici sa vidéo de présentation. Pour compléter cette présentation, Azaria a bien voulu nous recevoir pour un entretien cette semaine afin de la connaître un peu plus. Je m'appelle Azaria Stahl, j'ai 26 ans, je fais 1m80, je joue au poste de pointu, plutôt à droite et en pipe. From Elkhart, Indiana, the United... Je suis de Elkhart, Indiana. Small city in... C'est une petite ville du centre des États-Unis. Middle of the United States.
So, my parents played basketball like their whole lives growing up. Mes parents ont joué toute leur vie au basket. Mes deux grands frères ont joué au basket et au football américain. Donc le sport a toujours une place importante dans la famille tout au long de notre vie. J'ai commencé à jouer au volleyball dès l'âge de 12 ans. J'étais scolarisée à la maison jusqu'au lycée, donc je faisais partie d'un club extrascolaire. Puis à la rentrée de 4e, j'ai rejoint l'équipe dans laquelle j'ai évolué jusqu'à l'université. Ma mère a été ma coach pendant très longtemps. Elle m'a coachée de mes 12 ans jusqu'à mon entrée à l'université. Une fois diplômée, j'ai joué en Suisse et je suis allée à Porto Rico pendant quelques années. Et puis j'ai choisi de venir ici car j'ai toujours voulu jouer en France. J'en ai discuté avec mon agent et il m'a parlé de Saint-Gilles. Il m'a dit que l'organisation du club était super et que nous étions proches de villes sympas. Comme je l'ai dit, je voulais vraiment jouer en France et c'était donc une superbe opportunité. C'est pourquoi je suis ici. Alors mon agent, Nikki, a envoyé mes vidéos et mon CV à différentes équipes en Europe. Et les équipes communiquaient directement avec lui à propos de leurs divers intérêts envers moi. C'est la personne qui gère tout ça et c'est comme ça que je suis arrivée ici. C'était bien, la transition a été vraiment facile pour moi. Ce n'est pas toujours comme ça quand on vient des États-Unis. Ne pas avoir la même culture, la même langue, ne connaître personne. Mais les autres filles et le staff sont vraiment accueillants. J'ai vraiment ressenti une atmosphère familiale. C'est super agréable et je pense que c'est assez rare que les Américains vivent cette expérience. J'ai des amis qui jouent dans d'autres pays et ils n'ont pas nécessairement vécu une si belle immersion. C'est vraiment super d'arriver ici et de se sentir bien immédiatement et de vite ressentir une bonne relation avec les autres membres de l'équipe. Oui, définitivement. Ils m'ont parlé des choses un peu compliquées ici et comment les choses vont évoluer. Et c'est vraiment sympa parce que quand tu arrives, tout est nouveau et ça peut être difficile de se familiariser avec tout l'environnement. Mais les filles m'ont aidée en me disant « voilà comment fonctionne notre planning » ou encore « voilà comment se déroule l'entraînement ». Donc ça rend les choses beaucoup plus faciles pour savoir à quoi s'attendre. Je pense que c'est super. Je n'avais pas vraiment vécu cette expérience avant. C'est nouveau pour moi d'être impliquée dans les événements locaux et je trouve ça génial car cela construit une relation avec les gens qui vivent dans la ville, les enfants qui vont à l'école, qui font du sport. C'est super car ça leur a donné envie de venir voir nos matchs et nous encourager. Et c'est agréable, au-delà d'être une athlète, jouer des matchs, d'être aussi une personne utile et qui prend part à la communauté. Ne pas juste être considéré comme une athlète, nous sommes de vraies personnes qui peuvent interagir avec d'autres personnes. Évidemment, le but est de gagner le plus de matchs possible, mais pour moi, mon but est d'entrer sur le terrain et d'être la meilleure dans le rôle qui m'est attribué. Être une bonne coéquipière, solidaire, être la personne qui score. Peu importe le rôle que le coach me donne, je veux remplir ce rôle. Je veux être une personne fiable et efficace. Une personne sur laquelle l'équipe peut compter lorsqu'on a des problèmes ou lorsqu'elles ont besoin de quelqu'un qui peut leur montrer la voie. Mes projets d'avenir sont de continuer à jouer aussi longtemps que mon corps me le permettra et de continuer à évoluer dans ma carrière de volleyeuse. Après, je voudrais être coach particulière, être certifiée pour pouvoir entraîner, former les gens quand j'aurai fini avec le volley. Je suis excitée et j'ai confiance en notre équipe.
Je pense que nous avons travaillé très dur sur les détails pour mieux jouer ensemble, mais aussi contrôler les erreurs, les services, la maîtrise de notre énergie, le contrôle de la balle. Toutes ces petites choses qui, je pense, peuvent être oubliées, mais qui sont importantes. Je ressens le besoin de me concentrer sur les choses qu'on peut contrôler, comme notre jeu, comment faire mieux. Peu importe qui on affronte, je pense qu'on peut avoir l'opportunité de vraiment dominer n'importe quelle équipe, n'importe quel match, si on est concentré sur nous et nos actions. Nous remercions Azaria pour cet entretien. Donc Azaria, comme je l'ai dit, qui est arrivée assez tardivement cette saison, due à des problèmes administratifs d'obtention de visa. Et elle et sa compatriote Jackie Armour sont arrivées pratiquement 3 semaines avant le début de championnat. Donc c'est maintenant encore et toujours à l'heure des ajustements et de la connexion avec ses nouvelles partenaires. Faisons maintenant un point rapide sur l'actualité. Après leur participation aux différentes actions d'Octobre Rose et la dictée d'Ella, l'activité des Louvres cette semaine était un retour aux entraînements au POJC pour une nouvelle semaine de préparation de match. Néanmoins, comme vous pouvez voir à l'écran, certaines d'entre elles sont allées échanger quelques balles avec notre groupe M11 et M13FI qui étaient en stage pendant les vacances. Nous remercions Jackie, Maëlle, Sabrina, Niel et Azaria d'avoir partagé ce moment avec les plus jeunes d'entre nous, ce qui nous prouve une nouvelle fois combien l'engagement des Louves est sans limite. Tout de suite, les résultats du week-end passé. Comme vous avez pu le suivre sur nos réseaux sociaux, vous avez constaté que les Louves se sont imposées difficilement samedi dernier face au Stade Laurentin. Les joueuses de Manu Dumorty ont dû s'employer et remporter cette rencontre au tie-break sur le score de 15 à 12. Nous avons interviewé Manu Dumorty qui partage avec nous son compte-rendu du match. Alors, on s'impose là-bas dans un match compliqué. On a été, on va dire, plutôt inconstant. Mais ça reste une belle performance, ça reste un bon résultat, une victoire là-bas. Tout le monde ne gagnera pas, ne prendra pas les 3 points là-bas, on en a pris 2. Et beaucoup d'équipes vont se casser les dents contre une équipe solide et surtout bien organisée et à domicile qui sera toujours très dangereuse. Match compliqué par le fait de la qualité de l'adversaire, par notre inconstance aussi. On a eu vraiment des moments bas pendant la rencontre et c'est des moments qu'il faudra limiter dans le temps, voilà, limiter en nombre et limiter dans le temps parce qu'on a eu des trop grands moments de faiblesse. On a eu des moments hauts qui ont été vraiment les meilleurs depuis le début de saison et on a eu des moments bas qui nous ont coûté beaucoup de points et surtout les 2-7 concédés. Voilà, il va falloir être capable de couper plus vite quand on a un moment faible, comme on dit. Oh!
Signalons la présence d'une quinzaine de supporters à Saint-Laurent-du-Var, Serge Vidal, responsable de la section sportive à Souhait, et quelques amis à lui qui étaient en vacances sur la Côte d'Azur ont fait la surprise au Louvre de venir les encourager, et on peut dire qu'ils ont très bien réussi à jouer leur rôle de huitième homme au vu de leur victoire sur le score de 15 à 12 au tie-break. Passons maintenant au programme du week-end prochain. Et donc pour ce week-end, au niveau catégorie de jeunes, nouveau tour de Coupe de France pour les M15 filles. Les filles de Denis Merchez se rendront à Vendeuvre et seront opposées au club du VNVB ainsi qu'au club de Mézières-les-Metz. Autre club sur le terrain, la Pré-Nationale Filles, qui recevra samedi soir l'équipe de Moulins. Le match se déroulera au COSEC avec un coup d'envoi à 20h30. Mais samedi soir également, les Louves seront opposées à Monaco, donc au POJC. Nous leur souhaitons bien évidemment la réussite qu'elles ont eue la saison dernière avec une victoire sur le score de 3-7 à 0 pour ce match. Les portes du POJC s'ouvriront à partir de 18h pour un coup d'envoi donné à 19h. Nous vous attendons très nombreux pour cette nouvelle rencontre. Ce numéro 7 de l'émission est désormais fini. Pour suivre toute l'actualité des Louves et du club, je vous invite à vous abonner aux différents réseaux sociaux, dont le lien s'affiche en bas, si je ne me trompe pas. Et bien évidemment, n'oubliez pas la petite clochette sur YouTube pour recevoir vos notifications en direct. Merci à vous d'avoir suivi ce numéro, nous vous souhaitons une excellente fin de semaine et nous vous donnons rendez-vous jeudi prochain pour un nouveau numéro des Louves, la Web TV. Au revoir et à très vite.